Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre à calculer une moyenne. Sur un exemple ici, on a la liste des tailles d'élèves en mètres. Donc, on a 4 élèves qui ont donné leur taille et on va vouloir calculer la moyenne de ces tailles. Alors, pour faire ça, eh bien, il suffit juste d'additionner les tailles des élèves. 1,35 plus 1,53 plus 1,70 plus 1,45. Et on va diviser cette addition, toutes ces tailles qu'on a additionnées, par le nombre total d'élèves, le nombre total de tailles qu'on a, c'est-à-dire l'effectif total. Donc ici, c'est 4. Puis, nous allons utiliser la calculatrice pour arriver à calculer la moyenne. Alors, pour calculer avec la calculatrice, on prend sa calculatrice et on va d'abord écrire l'addition du numérateur. 1,35 plus 1,53 plus 1,70 plus 1,45. On appuie sur exécuter, ce qui va nous donner, en appuyant sur la touche SD, 6,03. Et donc, on va pouvoir écrire ici 6,03 divisé par 4. On continue avec la calculatrice et on fait diviser par 4, ce qui nous fait REP, donc la réponse précédente, c'est-à-dire 6,03, divisé par 4, exécuter, ce qui va nous donner en appuyant sur la touche SD 1,5075. Ce qui correspond à environ 1,51 mètres. Alors, quel est le sens de la moyenne? À quoi ça sert? Eh bien, la moyenne signifie juste que si tous les élèves de la classe mesuraient la même taille, eh bien, ils feraient tous 1,51 m. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur la moyenne. La formule de la moyenne est dans votre leçon. C'est l'addition de toutes les valeurs de la série divisée par l'effectif total.